بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le continuer chapitre, le khuluq, caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le qui commence, hadith numéro 351. Et donc, nous reste un petit peu pour terminer là-dedans. Hier, nous avons dit trois quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait lui-même. Ça veut dire qu'il reste loin depuis ça lui-même. En ce qui concerne altercation avec les autres dîmons. Et trois quelque chose qu'il n'est pas tu peux faire vis-à-vis dîmons dans la parole. Donc nous continuons. وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطَّرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيِّرُ. Quand les types est causé, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc Sayyidina Ali radiyallahu anhu peut décrire, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam type est causé, bandimoun qui type assisé, type écouté, allô, أَطَّرَقَ, je baisse la tête, je guette en bas. Je baisse la tête, je guette en bas. كَأَنَّمَا على رؤوسهم الطير كما دي لوزت لا تيت انا زوازو. Alors ça c'est un kinaya, une expression pour montrer nous dans quel état ban sahaba radiyallahu anhum était quand rasulullah sallallahu alayhi wasallam type causé. Ça veut dire là jette l'attention li undivided, je donne li tout jette l'attention à tel point qui assiste l'attention, mais même jette l'écho li rend dans l'état de tranquillité, de paix, de constance. Quand un oiseau capable pose de la tête, ça ne veut dire que ce moment-là tient un oiseau sur la tête. Il dit qu'annama, pareil comme dire. Ça veut dire je suis tellement en place tranquille qu'un oiseau capable venir pose le de la tête et assise là. Sa qualité tranquille là, ben sahaba était radiyallahu anhu. Alors qu'il fait de par l'état qui était dans compagnie Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut causer, donc là je peux gagner instruction, je peux gagner l'éducation. Nour, la lumière qui peut venir. Al-ilm, nour, la connaissance, c'est la lumière. Donc la lumière peut venir, rahmat, à travers ça peut venir. Et ça, une partie de Allah Souwahi, ça. C'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam causait parce que wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Il n'est pas cause d'après ce qu'il lit en vie. Ça, c'est un wahi qui Allah fin révélé. Donc, wahi, nous avons wahi, Quran, après, ben, les autres formes wahi encore, révélation, inspiration, si nous voulez, dans certains cas, quand Allah subhanahu wa ta'ala inspire Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire bonnes affaires. Donc, ce moment-là, dans l'état qui je t'étais et dans l'état tranquillité qui je t'étais. Alors, ben sahaba radiyallahu anhum, je suis tellement tranquille que ben oiseau capable pose l'oiseau de la tête. Fa'idha sakata takallamu. Quand l'île est arrêtée, quand l'île reste tranquille, sallallahu alayhi wa sallam, l'île est là, je suis causé. La yatanaza'ouna indahu al-hadith. Donc, je ne suis pas rôde la parole dans sa présence. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer, là, comme on l'expliquait, c'est la lumière, rahmat, et peine à parole qui, parmi la parole de Bandimoun, parmi la création, peine à parole qui plie grand qui ça là. Bien sûr, il y a kalamullah, ça, une autre affaire. Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce Quran, kalamullah, ça, c'est pas création ça. Nous peut causer dans création, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer, peine à parole plus grand que ça. Ça même pour venir nous charia là. Alors personne ne peut causer en même temps qu'il est. Quand il cause, je tout reste tranquille, un tel qualité de tranquille qu'il est oiseau capable de venir poser la tête. Quand il reste tranquille, les, là je te causer. Peut-être je t'ai une question, ou soit je t'ai une réaction, ou soit lui-même est capable de venir poser une bonne question. Quand lui, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour poser quelqu'un une question, là, là, lui, pour rester tranquille, là, ça dit, mon là, vous posez. Là, il y a tanaza'ouna indahu al-hadith, je ne pas, tanaza'a veut dire l'ité pour gagner quelque chose, compete, comment dire. Alors, ni je ne peux rôder la parole quand lui, il peut causer, ni je ne peux, il y a une discussion en Dieu, ni il y a un tanaza'a en Dieu, ni il y a une compétition en Dieu qui s'en là qui pour gagner la parole. Alors ça, c'est un affaire qui nous trouvait quand il y a un meeting comme ça, quand il y a un groupe du monde comme ça. Par exemple, dans une salle de classe,
Ou soit même dans une réunion, quand on a un adulte, dans une conférence, quand on a une fois, des trois dix mounes peuvent causer en même temps. Ça dix mounes, ça main speaker là qu'on peut causer, lui, il besoin de la parole. Personne ne peut causer. Si jamais un dix mounes besoin de causer, il y a une question ou soit n'importe qui a fait, ou soit premièrement, il y a tant qui, ça dix mounes là, fini causer, ça c'est protocole, il y a tant qui dix mounes là, fini causer, net, l'air là, il est ouvert, lui donne, lui ouvert the flow, comment nous dire. Ah ben, dix mounes là, je te pose une question. Ça aussi, il y a un protocole pour suivre. Ou soit, deuxième option, si dix mounes qui peut causer là, lui donne permission. Il donne permission pour dix mounes, arrête-lui, pose question. Par exemple, il y a certains, un enseignant, je te fais ça. Il peut expliquer quelque chose, il connaît, il est conscient, qui est dans mes affaires, qui va nous élever, capable, besoin d'éclaircissement, et je peux besoin ça de suite. Donc, il donne permission pour celui qui a envie, arrête-lui, pour poser question, il est d'accord avec ça, il peut répondre question. Mais seulement, pas de causer comme ça. Quand il peut délivrer, il peut causer, pas juste causer, ne dire, moi, j'ai une question. Non. Faire un signe. Normalement, comment nous faire? Nous lève la main. Nous faire un signe, nous lève la main. Ça dit mon là, il comprend qui m'a fait demander permission pour mon cas causer. Dépendant quand il était, s'il est humilié, une explication. Il peut arrêter à ce stade-là, concept là pas pour clair. Il peut terminer sur explication. Il pas pour dire non rien, il pas nécessairement dire non rien. Quand il pas dire non, il me lève la main, pas dire non, ça veut dire qu'il pas donne moi permission. Quand il termine sur explication, là il peut arrêter, il peut dire oui, là moi adresse mon question. Ou soit de suite, il est capable, quand il lève la main, il arrête, il donne sa dimone là la parole. À ce là, il y a fois, il y a plusieurs dimones qui ont envie de causer en même temps. Plusieurs dimones ont la question en même temps. Est-ce qu'il c'est qui cause plus faux, qui sont questions pour aller? Non. Là aussi, besoin d'un lot. Ça veut dire, nous besoin d'un ikram. Nous, dans l'audience. Nous, dans l'audience, nous besoin d'un ikram. Ça veut dire, nous avons la courtoisie pour laisser un dimone causer, nous pas couper un dimone de sa parole. Et, du monde qui peut causer, lui, ce qui peut organiser ou ça, dans, par exemple, dans une salle de classe, lui, il dit, ok, ça ne l'a causé, peut-être lui dit à l'autre là, attends un petit moment, là, après, lui donne l'autre là la parole, lui essaye de faire une justice entre ça du monde là. Par exemple, celui qui ne lève la main avant, lui, il vient pour poser sa question avant, ainsi de suite. Ça, c'est une étiquette, c'est une petite chose importante. Par exemple, dans une simple salle de classe, quand on a l'éducation peut faire un professeur avec des élèves, alors ça principe là, il est besoin d'appliquer. Besoin de la discipline. Hein? Ça veut dire, à n'importe quel moment, un seul du monde causer. Si main speaker, si professeur peut causer, tous les élèves restent tranquilles écouter. Ni les causes avec professeur là, ni les causes avec un autre élève. Et ça, c'est une affaire qui est bien mal élevée. Malheureusement, vous connaissez ça, c'est une affaire qui, vous connaissez dans l'école passée, ça. Les enfants, là, professeur là, pour crier, reste tranquille, pas causer, mettez une commente là-bas, talkative. Malheureusement, dans le grand dimon, si vous trouvez ça. Vous n'êtes pas qu'on respecte un dimon qui peut causer. Au bout de dimon peut causer en Dieu. Si vous bien, bien causer, sorti dans l'assemblée là, à l'ailleurs. Ça aussi, il est capable de constituer un BNB, ça. Et une fois, un dimon peut causer, ou lève dans ce figuier ou aller. Il est capable de constituer un manque du respect. Et là, si, comment dire, bien aller, faire un signe. Dans une façon, comment dire, moi, dans l'assemblée, ça dit, mon là, il peut causer, ben, laisse-moi demander une permission. Bon, faire un petit signe, pour pas déranger l'assemblée. Pas pour déranger l'assemblée, mais faire un petit signe, dit, mon là, il peut faire moi un signe. Comment dire, moi, montrer-lui qu'il m'a fait prendre cette permission pour aller. Pareil dans une classe. Pareil dans un dance. Par exemple, ben, dit, mon, une réunion autour, un chef. Alors, là, ça, protocole-là, il est plus strict encore, là. Quand nous dans l'instance religieuse, par exemple, si un khutba jumma, imam peut causer. Là, nous comprenons qu'il protocole là, c'est qu'il personne pas dérange. Parce que là, nous besoin comprendre nous dans l'assemblée. C'est pas une salle de classe. La communication là, li bullseye, comment nous dire, li one way communication. Imam a musalli. Ou une question, li bien bon si ou une question, jeune imam après. Pas dérange l'assemblée. Alors ça, c'est un protocole qui nous besoin apprendre et bien sûr, nous besoin enseigner nos enfants. Alors tout ça là, que tu sortis, Allah nous peut apprendre dans le hadith. En man sahaba, radiyallahu anhu, je peux écouter. Dans le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, là, si nous guettons en termes professeur et élèves, donc quand professeur causer les élèves, assis et écouter. Et quand il finit causer, les là, je te pose question et bien sûr, il y a un adab qui est là-dedans. À ce là, adab dans question... nous continuons, nous vous trouvez plus devant. Donc,
La yatanaza'una indahu al-hadith, je ne pas dispute en jut pour gagner la parole. Non, au contraire, chacun se tourne. Man takallama indahu ansitu lahu hatta yafrugh. Un djimoun peut causer parmi jut, alors tout djimoun reste tranquille jusqu'à ce que sa djimoun là finit causer. N'a pas cause en même temps qu'il y a un autre djimoun. N'a pas coupe conversation en djimoun. Un sahaba radiallahu anhum, quand un sahabi peut causer, Rasoul sallam il finit causer, il donne permission pour causer, quand il causer, ban les autres pas causer en même temps, pas couple. Si on a quelque chose pour dire, attend li fini, là. Par exemple, il peut mal dire une affaire, ou puis envie corrige li, avec beaucoup respect, beaucoup adab, beaucoup sagesse. Premier sagesse qui nous montrait là-dedans, c'est qu'il nous assise, nous écouter. Nous attend li fini, là, nous dit, elle nous prend permission pour causer, nous dire ce qu'il y en a pour dire, bien sûr, avec respect. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Auprès de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui gagne permission pour causer, c'est un djimoun qui finit gagne permission. Alors, c'est lui qui causait, c'est celui qui finit gagne permission pour causer avant. Comment on expliquait tout à l'heure là. Par exemple, nous prenons l'exemple, nous pouvons faire un signe pour nous demander permission pour causer, par exemple, pour nous lever la main. Alors, celui qui lève la main avant, lui, il gagne permission pour causer avant. Ainsi de suite. Donc ça, c'est une étiquette qui nous apprend, qui nous peut apprendre dans le hadith ici. Quand nous peut causer aussi, quand nous peut poser question, alors nous devons montrer respect à sa djimoun avec lequel nous peut poser question là. Nous devons mettre sagesse dans nos questions. Même si question là, il y a une question qui peut-être est un petit peu, moi pas qu'on est peut-être hostile, mais seulement nous devons respecter sa djimoun qui peut causer là. Qu'il y a un professeur, il y a un qu'on est un conférencier ou soit n'importe qui sont là, nous présente nos questions avec beaucoup d'adab. Et bien sûr, il y a un adab qui nous vient respecter dans différentes instances. Par exemple, dans une école, dans une classe. Un élève, il y a un principe, il y a un mot qui lui servit, quand il dit une permission, ainsi de suite. Il y a un mourir puis assiser auprès de notre chair. J'ai besoin d'une permission pour poser une question, quand on pose sa question là, il y a une parole qui servit. Alors tout ça là, nous vient apprendre. Alors, il y a sa discipline, sa civisme là, d'apprendre dans l'école, d'apprendre dans différentes instances, il y a un djimoun qui participe dans différentes fonctions protocolaires, alors il apprend dans le protocole là. Mais quand un djimoun qui fréquente ban mashaïf, qui fréquente ban aulia, qui fréquente ban rentre, il apprend dans ban halqa, zikar ban halqa ilm, il besoin apprendre adab, il besoin apprendre qui manière pour respecter ça. L'assemblée là, pour respecter sa connaissance qui peut donner là, pour respecter sa djimoun qui peut enseigner là, pour respecter mon camarade, mon collègue avec lequel nous assisons, nous apprenons ensemble. Alors, il y a toute une série de mon adab, nous pouvons trouver longtemps, mon étudiant, quand je rentre dans Darul Uloum, quand je rentre côté Cheikh pour apprendre, alors, passe beaucoup de temps pour montrer je adab, je t'apprends adab là. Une fois, je t'apprends le hard way, parce qu'il y a des enfants, il y a des enfants gâtés. Et les enfants, je ne vis dans différentes conditions, je ne suis pas habitué avec ça. Alors, fais-je passer un training, je t'apprends ça bien. Là, je rentre dans sa bandourousse là. Alors, nous continuons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, yadhaku mimma yadhakuna minhu. Les riez, l'eau, c'est qui fait je rire. Ça veut dire qu'en ban sahaba, radiallahu anhum, je peux causer un affaire comique qui n'arrivait, je ne riais. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les riez ensemble avec je. Les portages, ça, l'état là, avec je. Qui fait parce qu'il n'est pas resté à un côté. Imagine un leader, Bandimon autour, il peut rire, il reste tranquille. Ça veut dire, il peut passer un message là. Moi, mon papa est à l'état, moi, pas dans le même état qu'ils autres, moi, mon papa pareil comme les autres, moi, un autre niveau. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu dis ça, c'est pour vrai, mais il rentre dans un autre niveau. Alors, comme ça, il gagne l'équerre devant Sahaba radiallahu anhu. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Ban quelque chose qui étonne zot, ban quelque chose qui surprend zot, ban quelque chose avec lequel zot est émerveillé. Lui aussi, pareil, il montre sa ta'ajjub là, sa surprise, sa émerveillement là, ensemble avec zot. Wa yasbiru lil gharibi ala al jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Et lil gharib, gharib ici, dans Urdu, nous connaît gharib veut dire misère. Mais en vérité, dans l'arabe, gharib veut dire un djimoun qui étranger. Un djimoun qui étranger, ça veut dire qu'il n'est pas nous capable de traduire lui par étrange ou soit étranger. Étrange, ça veut dire shay'un gharib, veut dire une quelque chose étrange qui ne passe, une quelque chose qui n'est pas habitué. Ou soit un djimoun qui gharib,
c'est un djimoun qui est étranger, ça veut dire qu'il ne peut pas appartenir à là. Par exemple, un djimoun est sorti dans l'autre endroit où il vient. Et là, dans ce contexte-là, gharib veut dire un djimoun qui ne reste dans Madina. Un djimoun, un ahlul badiya, un bédouin. Je suis sorti dans un endroit loin, je suis venu, je suis dans les autres manières, je suis dans l'autre culture, ou soit je paye une éducation, je paye un protocole, je paye un adab qui est un sahaba. Je brite, je ruste, et je grossier dans ses paroles. Et je n'ai pas pour ménage ce bon mot, il peut dire ce qu'il y en a pour dire. Normalement, adab, c'est qui quand on a pour dire une affaire, nous, get bien nos bon mots avec adab, nous disons. Les gens qui paye sa adab là, comme dit Kozé, il peut flanquer la question là dans la figure du monde là. Ça aussi, il y a. Même jusqu'à dans l'époque, il y a. Alors, « Wa yasbiru lil gharib » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait « sabar » l'osa gharib là, l'osa du monde qui est étranger là. « Ala al-jafwati » l'osa caractère grossier, ce caractère impoli. « Jafwa » veut dire une façon causée qui, comment dire, a une grossièreté là-dedans. Il n'est pas poli du tout. Du monde là, il n'est pas casse la tête avec vos sentiments. Qui ça a question là pour faire, qui l'a fait, qui l'a pour faire. Il dit blurt out, ce qu'il y en a pour dire. Fiman tekrihi dans ses paroles, ou amas alatihi et dans ses bonnes questions. Et la fois, une question qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam gagné. Alors, une question là, et la fois, il est embarrassant, et la fois, il est peine à adab là-dedans. Donc, qui l'a fait? Est-ce qu'il n'y pas répondre? Beaucoup de leaders, ou tourne les dos, ou ça pour dire qui, comme ça qui te cause avec moi, ou ça pour punir ça du monde là, ou ça pour prendre ça du monde là, pour mettre lui en déo, l'assemblée. Mettre lui déo, il peine à adab ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait sabar. Parce qu'il est là pour enseigner, il est là pour gagner, ben, l'équerre, ben, du monde. Alors, on trouve beaucoup dans l'exemple, qui manière, ben, du monde, il manque respect. Et dans du monde, même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il assisé avec son ben sahaba dans Masjid Nabawi, du monde là rentré, il dit, côté une colonne, il urinait là-bas. Sahaba commence à frapper l'épée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit non, laisse-le fini, nettoie ce qui vient nettoyer, appelle-le, cause-le, dis mon l'ennemi un iman. Alors, quand j'ai qui peut causer la bande gharib, c'est pas un musulman ça. Il y a plusieurs non-musulmans aussi, qui ont besoin d'un autre équerre pour l'islam, mais il y a un musulman aussi qui a une autre l'éducation. Alors, il y a une autre l'éducation. Alors là, ben ulama mentionne le fameux exemple de Dhu al-Khuwaisira. C'est un djimoun qui est parmi un djimoun qui est un peu rude. Et nous vous trouvez que ce djimoun là lui-même, comment dire, les racines, nous avons dit, fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui un khawarij. Un khawarij, un djimoun qui est dans l'extrême, un extrémiste qui finalement, je touche tous affaires, je traite djimoun kafir, ainsi de suite. Je t'ai fait énormément de problèmes parmi les musulmans dans l'État islamique. Donc, c'est un problème qui nous connaît, qui nous amène vers Karbala, qui nous fait problème dans l'époque, un khulafa rachidoun vers la fin. Problème après. Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore faire problème, et c'est ban khawarij. Et chaque siècle, chaque l'époque, pour un ban nouveau khawarij qui pour venir sa mentalité extrémiste là, tout le temps pour là. Rasoul sallam il dit concernant eux, si vous êtes eux faire ibadat, ou vous sentir qu'ils ont ibadat, c'est un badinage ça. Tellement je te sérieux, c'est même qu'appelle l'extrémiste ça. C'est pas ban du monde pas sérieux là, hein. C'est ban du monde bien bien sérieux, trop sérieux même quand il dépasse limite, c'est une extrémiste. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous êtes juste fait ibadat, vous sentez que l'ibadat n'est pas dinage ça. Hein? Quand vous êtes juste le Coran, extra, mais seulement le Coran là, il n'est pas descendu plus bas qu'il y a la gauche, et l'imam sort dans l'autre équerre, pareil comme une flèche, il sort dans ce target. Alors, ça dit mon là, Dhu al-Khuwaisira, al-Tamimi, il dit, Ya Rasoulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois, les musulmans, hein? Ils peuvent accepter Rasoulallah, là. Mais seulement, il y a cette prétention. Il y a Adil, fais la justice. Comment dire, quand Rasoul Hassan fait un portage, ça dit, mon là, pas ne satisfait. Il dit, fais la justice, tu ne peux pas faire la justice, tu ne peux pas faire ça à cause d'Allah. Donc, il blâme Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, directement dans l'assemblée. Alors, ça, imaginez si vous dans l'assemblée, là, ça l'est là qui vous fait. Est-ce qu'il vous pas trapou l'épée? Comment un sahaba fait faire? Alors, faqala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam répond, lui, waïhak, hein, waïhak, wa man ya'adilu idha lam a'adil. Qui arrive-toi, qui t'a gagné, ou soit malheur, ou toi, qui s'en là pour faire justice, si moi, je ne peux pas faire justice. Rasoul sallam dit, la qad khibtu wa khasartu, ou soit wa khasirtu, illam a'adil. Si je ne peux pas faire la justice, alors je peux perdre, je peux trahir les autres, moi-même, je peux dans perdition si je ne peux pas faire la justice. Ça lui réponse qu'il fait, lui. Sayyidina Omar radiallahu anhu dit, ya Rasoulallah, idhin li adrib anukahu. Ya Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi permission, je saute sur le cou. Idrib anukahu, veut dire, je tape mon épée sur la nuque, ça veut dire saute le cou.
فقال رسول صلى الله عليه وسلم dit دعه quitte-le, laisse-le tranquille. Rasoul Hassan fait sabr, et lui montre Ibn Sahaba aussi fait sabr. Nous utilisons ce hadith-là dans Riyad al-Salihin. Il y a beaucoup d'explications qui viennent avec ça, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait sabr, il fait patience, le Banjimoun, qui peine à adab de l'assemblée. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum. Alors, Ban Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une question qui ban sahaba je n'ai pas capable de poser, je n'ai pas osé poser. Qui fait? Parce que tellement je tenais à respect, tellement je tenais à adab pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas osé poser question là. Par exemple, il y a une question qui relève de ban affaires privées, ou soit il y a une question que je connais, si je pense ça, je te sentis, je embarrassé pour poser telle question. Mais seulement une question genuine, besoin de gagner information. Alors qu'est-ce que je fais? Je t'amène sa qualité d'imoun là dans l'assemblée. Man di moun ki pa ponte pou pose question dans ban ahlul badia, alors je t'amène sa ban kalite di moun la pou pose question. Je te connais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pa pou faire difficile avec je pour rendre je te réponse. Et là en même temps je te dis ban sahaba radiyallahu anhum gagne réponse là. Nous trouvons beaucoup l'exemple ban sahaba radiyallahu anhum, et là tellement je te proche que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tellement je n'ai respect, je te gagne honte pour poser certaines questions qui ban affaires privées. Alors je t'avoue, il y a un homme qui est esclave, un homme qui est camarade, à lui dire, voilà, telle question. Ou soit il pose-le anonymement, ou soit il dit un tel pédimanou. Donc, tellement Rasoul Hassan, tu peux montrer sa barre, tu peux prendre patience avec ce mandimoun-là, quand tu as un sahaba. Amène ce mandimoun-là pour que tu gagnes une bonne réponse, qu'ils autres même ne sont pas capables de poser des questions. Donc, nous, hadith là continue, nous arrêtons là, il arrive à 7 heures. Donc, Inch'Allah, nous continuons après. Ce qui nous apprend, c'est beaucoup d'affaires, surtout dans la pédagogie. Nous apprenons. Ban professeur, il y a beaucoup de leçons pour tirer là-dedans. Ban élèves, ban étudiants, il y a beaucoup de leçons pour tirer là-dedans. Mais ça, il n'est pas juste pour les enfants à l'école, il est pour tout le monde. Parce que, dans une façon ou soit dans l'autre, ça, sunnat qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il laisse là, ça veut dire qu'il lit, il donne l'instruction, il enseigne, il informe, ban du monde, il y a ban halaqa côté dans l'éducation. Alhamdulillah, et Inch'Allah, tout le temps, nous pouvons rester là-dedans, ça même, là-dedans même, il y a nos succès là, nous avec nos bons enfants. La dame même a nos succès. Tout le temps, nous avons besoin de l'éducation. Donc, alhamdoulilah, nous dans sa rouage-là, et nous avons adab pour respecter là-dedans. Alors, nous avons besoin d'apprendre ça, nous avons besoin de montrer ça à nos bons enfants. Qu'on respecte, même si professeur est non-musulman, respectez-le. Respectez l'éducation. Ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous. Et important encore, c'est apprendre à écouter. Quand Dimoun peut cause avec nous, dis-moi, il y a quelque chose pour dire, assisez, écoute-le avec patience. Laisse-le terminer. Il y a quelque chose pour dire, il y a mille quelque chose pour dire. Attends-le fini. Là où dire. Par coupe, dis-moi, j'ai une conversation. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a trop beaucoup de monde qui a trop beaucoup d'affaires pour dire. Bien souvent, beaucoup pas bon là-dedans. Mais seulement, dis-moi, qui est disposé, assisez, écouter, ça, ou bien lire ça. Alors, un musulman, c'est un dis-moi qui connaît écouter. Et un dis-moi, j'ai beaucoup d'affaires pour dire. Alors, nous sommes capables d'écouter et nous sommes connaître comment pour répondre. Bien souvent, pas nécessaire réponse. Il n'y a pas de connaître qui vous peut dire. Mais le simple fait qu'on écoute Dimoun là, par exemple, ce problème, ça même, il assez pour soulager Dimoun là. Alors, nous faisons droit qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala de nous, taufik, de nous une bonne qualité pour venir comme ça, pour venir une bonne écouteur, pour venir une bonne Dimoun qui, quand nous peut enseigner, nous fait bien, comme un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigné, et quand nous puissions apprendre, nous faire lire bien comment les Sahaba radiallahu anhum montrent nous. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout le temps rester dans sa rouage, côté na ilm, nous puissions apprendre, ou ça nous puissions enseigner qui là-dedans est na barakat, là-dedans est na nos succès, ça même l'héritage qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quitté, qui lui donne nous suhbat tout le temps, ban ulama, ban awliya, ban ulama qui genuine, nous apprend tout le temps avec eux, et qui lui fait nous avancer, lui fait nous rapprocher avec lui. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.